Bonjour et bienvenue à ce 26e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, ça va être le premier épisode où je reçois une invitée pour la deuxième fois. Une grande sage, une grande philosophe avec qui j'aime toujours beaucoup discuter entrepreneuriat. La dernière fois, on avait jasé de votre why, de la raison d'être entrepreneuriale de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant qui est comment calculer le coût de vos services. Et je vais jaser de ça avec Nathalie Dion de B2H Conseil. Salut Nathalie, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va super bien toi? Je vais bien, merci. On a vraiment un beau sujet devant nous, un sujet qui touche évidemment de plein fouet tous les entrepreneurs. Et avant d'embarquer dans des aspects plus mathématiques du sujet, j'aimerais ça qu'on jase un peu de la philosophie derrière la valeur du coût de nos services, finalement. En quoi c'est important d'apprivoiser cette mentalité-là, d'être rémunéré à sa juste valeur? Peux-tu nous donner un peu ton point de vue là-dessus? Bien, c'est sûr que moi, depuis que je travaille avec des entrepreneurs, je me suis rendu compte que de déterminer le coût d'un service était hyper important, c'est sûr, hein, on veut le vendre et tout ça. Sauf que souvent, les gens ne savent pas combien ils valent dollars. Il y a une différence entre ta valeur dollar et le prix auquel tu te vends. Donc, je vois beaucoup de dichotomie entre les deux. Et souvent, les gens ont de la difficulté à se donner une valeur. Okay? Mm-hmm. Moi, je me reprends, je me remets à là 5-6 ans quand je suis partie en affaires, justement, et que là, je me dis, oh, mon Dieu, tu sais, je dois valoir à peu près 25 $ de l'heure. Là, tu sais, mm-hmm, je ne sais pas. De dire que je valais peut-être plus ou même peut-être beaucoup plus, c'était comme impossible. C'était quelque chose avec lequel j'ai dû travailler très fort pour comprendre combien je valais de l'heure. Je pense que c'est peut-être pas tout le monde, mais plusieurs qui ont de la difficulté à s'attribuer une bonne valeur. Et si tu n'as pas de la bonne valeur, bien, c'est impossible que tu vas te rendre aux objectifs mm-hmm. que tu te donnes. Donc, c'est des vases communicants un peu. Là, donc. C'est un sujet qui a déjà été abordé sur le show dans le passé, mais je pense que c'est important, surtout dans cet épisode-ci, de revenir un peu là-dessus. On a tendance des fois à sous-évaluer la valeur de ce qu'on fait, entre autres peut-être à cause de cette espèce de mentalité qui persiste, que faire de l'argent ou charger cher, c'est comme mal, c'est mal, comme quelque chose de négatif par rapport à ça. Et donc, on a tendance à sous-charger. Aussi, peut-être la peur de se faire dire « Oh mon Dieu, c'est bien trop cher. » Mais là-dedans, on ne tient pas compte qu'un travailleur autonome, il n'y a pas de retenue à la source, il n'y a pas de... C'est le 25 $ de l'heure, par exemple, n'est pas le même pour un travailleur autonome que pour un salarié. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est assez nébuleux pour bien du monde. Absolument. Puis, il y a une différence aussi. Tu sais, si quelqu'un fabrique un verre, OK, souvent, c'est facile de dire, OK, il me coûte combien le verre?
OK, tu as ta matière première, tu as tes machines, tout ça. On est comme habitué de calculer un prix de revient au niveau d'un produit. D'un service, c'est comme abstrait. OK, donc c'est pour ça que moi, je suis arrivée avec une méthode, mais tu sais, c'est une méthode que tout le monde peut appliquer. Là. Ça n'a pas besoin, je n'ai pas de brevet sur la méthode. C'est vraiment un processus de réflexion à savoir combien je vaux dollars et je pense que quand tu le comprends, tu vas mieux l'habiter, tu vas mieux le vendre aussi, tu vas mieux te sentir avec ça parce que tu vas dire, écoute, tu sais, mettons que, je sais pas, moi, je vaux 50 $ mais en bas de ça, si tu as fait un bon processus de réflexion, tu vas dire, OK, mais je veux pas me vendre en bas de ça, là, si je suis pas confortable avec ça, c'est vraiment le minimum parce que j'ai eu une certaine réflexion derrière ça. Fait que moi, je pense que de jouer avec les chiffres, de jouer avec la compréhension de ça, c'est vital pour après ça te positionner sur le prix de ton service, puis après ça te dire, OK, ça a-tu de l'allure sur le marché, ce prix-là? Parce que l'exercice n'arrête pas là, là, tu sais, il continue, là, parce qu'il faut être capable de le vendre après ça, là. Donc là, on a placé un peu justement les bases de philosophiques, disons-le comme ça, du problème. Maintenant, embarquons dans le côté un peu plus théorique. Par quoi on commence pour évaluer la valeur, le coût de nos services, notre taux horaire, par exemple? Okay. Est-ce qu'on commence par le taux horaire? Je sais même pas, moi. Oui. Moi, je commence par savoir combien je vaux. OK? Je vais vous montrer un exemple, mais grosso modo, n'importe qui peut prendre un papier maintenant puis écrire, OK, je veux faire 25 000, 50 000, 100 000, 1 million. Pour moi, les chiffres ne sont pas importants. OK? Mm-hmm. Donc, mettons, je veux faire 100 000 en un an. OK? C'est bon. Maintenant, combien de temps tu veux travailler? OK? Tu veux travailler de 9 heures à 5 heures? Tu veux travailler de midi à 5 heures, tu veux travailler 4 jours semaine, 5 jours semaine, tu veux prendre une pause, pas de pause. C'est tous des calculs qu'on peut faire facilement et on remet tous ces calculs-là en valeur annuelle. Okay? Mm-hmm. Je vais vous partager mon écran. Il va falloir que tu le repartages parce que j'ai fallu que je quitte le... Oui, pas de problème, je fais ça. Donc, pour ceux qui ont le visuel, le voici, mais ceux qui font que l'écoute, je reprends mon processus. Dans mon exemple, je dis, OK, combien d'heures je veux travailler? Dans mon exemple, j'ai dit, je veux travailler de 9 à 17 heures, donc c'est 8 heures. OK. Maintenant, je veux prendre combien d'heures de pause, de temps de pause dans ma journée? OK, je veux prendre une heure. Je veux travailler combien de semaines? Veux-tu travailler 52 semaines, 30 semaines, 35 semaines? Ça, c'est toutes des questions que tu dois te poser, OK? Puis, c'est communicant. Fait que moins tu veux travailler, plus tu vas valoir cher de l'heure. Veux pas, c'est un vase communicant. Donc, dans cet exemple-là, j'ai 8 heures par jour, 1 heure de pause, 46 semaines, j'ai 1610 heures disponibles dans mon année pour faire le travail que j'ai à faire. Ouais. Maintenant, il faut dire, OK, mais de ces heures-là, il y a des heures que je ne peux pas facturer parce que c'est ça, être entrepreneur. Il y a plein d'affaires qu'on fait, 8 chapeaux, puis il y a plein d'affaires qui ne sont pas facturables aux clients. Donc, il faut essayer de calculer combien de temps. Là, il y a plein de monde qui vont dire, oui, Nathalie, comment je fais ça, calculer? Mais moi, au début, c'était une feuille, un papier. OK, je viens de passer une heure sur mes réseaux sociaux. OK, je viens de passer 2 heures à faire de la comptabilité. OK, bon. Vraiment, il faut s'observer un peu là-dedans. Au début, les chiffres sont plus ou moins exacts, mais à force de s'observer, ils deviennent de plus en plus précis. Donc, c'est un travail qu'on peut refaire régulièrement. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis sur Excel. Fait que je fais juste changer mes données, puis ça calcule par magie. Donc, dans mon exemple ici, je dis, OK, combien d'heures j'ai besoin de faire en recherche et développement pour offrir le service que j'ai à faire? Mettons que pour offrir le service de coaching en gestion, je dois vérifier, je ne sais pas moi, en gestion d'agriculture, mais je dois vérifier des trucs en agriculture, je fais de la recherche. Là, j'ai mis 1 heure par semaine.
Mais je travaille 46 semaines selon mon exemple, donc ça me fait 46 heures. Ensuite, nombre d'heures pour la gestion des réseaux sociaux. Moi, j'ai mis 2 heures. On peut mettre, peu importe, dans cet exemple-là, pour 46 semaines, j'ai fait 92 heures. OK? On aurait pu dire aussi, ouais, mais mes réseaux sociaux, j'ai fait même quand j'étais en vacances. Fait que ça devrait être 52 semaines et non pas 46. OK? On peut y aller assez pointu. Mais pour les besoins de la cause, je vais le laisser comme ça. Ensuite, nombre d'heures pour rédiger un blog, mettre en ligne une infolettre, peut-être faire des vidéos comme toi tu fais pour dire, OK, je promouvois mes affaires. Tu sais, combien de temps par mois? Moi, je l'ai calculé par mois pour ça parce que je trouvais ça plus facile parce que c'est pas nécessairement chaque semaine. Je dis, OK, bon, ben moi, ça me prend 10 heures rédiger un blog, une infolettre. Ensuite, je dis, OK, combien d'heures je vais faire du réseautage ou du mentorat? OK. Des heures non facturantes. Là, j'ai mis dans cet exemple-là 10 heures. Ensuite de ça, combien d'heures pour la comptabilité, l'administration? Combien d'heures pour ta formation professionnelle, personnelle, du coaching? Ensuite de ça, combien d'heures pour autre chose comme moi? J'aime faire du bénévolat, puis j'aime ça faire ça le vendredi matin sur mes heures de bureau. Pour moi, ça fait partie de la job que je fais. Fait que moi, je le rentre là-dedans. On pourrait dire, je ne sais pas moi, ça pourrait être du bénévolat, ça pourrait être, peu importe là, ce que vous avez, aller faire du jardinage pendant une heure parce que vous dites, ah, ça c'est mon moment de réflexion, de créativité ou peu importe. Ça va vous donner un nombre d'heures non facturables. OK? Dans mon exemple, on a 1610 heures disponibles pour le travail, puis on enlève 493 heures d'heures non facturables. On se rappelle que je voulais faire 100 000. Oui. OK? Donc, avec ce calcul-là, avec les heures facturables, libres facturables au client, qui est la différence entre le 1610 et 493, on donne 1117 heures, qui donne une valeur de 90 $ de l'heure. Ça, c'est ce que je vaux. Ce n'est pas nécessairement ce que je charge. OK? Pourquoi la différence entre les deux? Je vous amène à réfléchir à la rentabilité d'un service. OK? Ouais. Donc, encore là, vous n'avez pas besoin de mon logiciel, fait le faire tout seul. Là. C'est facile. C'est de dire, OK, là, j'ai fait un exemple. Mettons que j'ai un service de coaching de 5 heures. Je vends 5 heures de coaching une fois une heure. Est-ce que c'est vrai de dire que mon service 5 heures de coaching va me prendre 5 heures de travail, d'après toi, Mathieu? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on se prépare avant, on se prépare après. Des fois, on se déplace. Des fois, il faut facturer, il faut clore le dossier, il faut... je ne sais pas moi, faire des suivis parce que je ne sais pas moi, la facture n'a pas été payée, blablabla. Bla, bla. Dans mon exemple ici, je dis OK, mon service de 5 heures, mais mettons, je dis OK, j'ai rencontré le client, j'ai jasé au début, ça m'a pris une heure. OK. Là, je dis OK, je prépare ma proposition, ma soumission. Il y en a des fois, ça prend une heure et demie pour faire une proposition, mais bon, mettons qu'on est super efficace, une demi-heure. On signe le contrat, il me pose des questions, back forth, OK, une autre demi-heure. Je fais ma première facturation, ça veut dire j'ouvre mon dossier client, bon, je rentre toutes ces offres, je fais ma première facturation, je l'envoie, une autre demi-heure. Je me prépare, OK, mon client, c'est un client agriculteur, il faut que je vérifie des affaires, bon, une petite demi-heure, je n'ai pas mis grand-chose. Puis là, je suis chanceuse, je le fais par Zoom, je me déplace pas. Mais si je me déplace, on peut juste imaginer comment ça peut jumper là, 5 heures de formation ou de coaching. Exécution pure du service. Je suis 5 heures avec mon client. OK. Ensuite, facturation de mi-mandat ou peut-être une ou deux factures supplémentaires. Bon. Là, je dis, OK, ça me prend 8 heures et demie faire un service de 5 heures. Et là, j'ai été très conservatrice. Là. Puis moi, j'aime mettre un petit contingent là-dessus parce que c'est pas vrai. On sous-évalue toujours notre temps. Mais moi, ça me donne un service qui me prend 9h35 à donner.
Quasiment Mais le pourtant, double. je le vends 5 heures. Fait que C'est ça, si c'est je vends quasiment le double, ouais. 5 heures à 90, j'arrive pas. Ben non. Fait que le prix total de ce service-là coûte 837 $ Ça, c'est ce qui te coûte à toi en termes d'heures, à right? moi en termes d'heures. Ouais, Fait que si OK. je veux arriver à mon 100 000, à mon nombre d'heures, à tout ça, faut que minimalement, tu charges minimalement, minimum 837. Oui. Si tu vas en bas de ça, c'est impossible mathématiquement que tu vas arriver à faire le chiffre d'affaires que tu veux, à travailler le nombre d'heures que tu veux. Fait que là, la prochaine étape, c'est de dire, OK, 837 pour 5 heures. Moi, je ne l'ai pas calculé, là. 837 pour 5 heures, on parle de 167 $ de l'heure pour mon 5 heures. Là, tu sais, bateau, OK, je ne suis pas capable de vendre ça à ça. OK. Fait que soit que tu vends un kit. C'est là que tu vas faire du packaging. OK? Là, tu vas dire, OK, je vends ça comment? C'est là que tu vas dire, mon compétiteur vend ça à combien? Le marché est prêt à acheter à combien? Puis, je suis trop cher? Si je suis trop cher, il y a peut-être dans mon processus des tâches qui me prennent trop de temps. Parce que tu dis, OK, ça, il faut que je coupe là-dessus, il faut que j'arrive à standardiser un peu, il faut que j'arrive que ma soumission qui me prend 2 heures me prenne 15 minutes, ça n'a pas d'allure, j'arrive pas. C'est là que tu peux ou travailler sur ton 100 000 du début, ou travailler sur les tâches non facturables pour augmenter ton nombre d'heures facturables, ou tu viens travailler sur ton nombre d'heures que tu es prêt à travailler. Mettons qu'on aurait mis 1 000 000, là. Ben, c'est clair que c'est impossible. Là. Dans la méthode actuelle, c'est clair que c'est impossible. Fait que là, tu dis, OK, 100 000, peut-être que t'es fort un peu. Mettons que je teste avec 75. Peut-être, d'un autre côté, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, l'aspect philosophique de la question, c'est si je suis convaincu que mes services ont suffisamment de valeur. Oups, c'est-tu moi qui viens de... Non, c'est moi. OK, c'est toi qui l'as enlevé, OK. Ouais. Je n'étais pas sûr. D'un point de vue philosophique, si on se dit, OK, moi, ce que je fais, ça vaut 100 000 par année, bien, à mon avis, tu dois appliquer la même mentalité au niveau de la valeur de tes services. Le coaching que je t'offre, ça vaut je me souviens plus, c'était quoi le chiffre, 900 $ mettons. Oui, 837, peu importe. 837, oui, le 900 $ 850. Ça vaut, mettons qu'on décide de ne pas trop se mettre une marge, là, ça vaut 850 ce coaching-là. Parce que oui, il y a le côté la compétition, mais d'un autre côté, par exemple, dans la photo puis la vidéo, il y a des gens qui chargent 15 $ de l'heure comme il y a des gens qui chargent 150 et voire plus, évidemment, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée puis il n'y a pas d'ordre qui vient, comme pour les psychologues ou les comptables, qui vient régulariser, merci, ouais, les tarifs. Donc, si moi, je dis, ben mon service, c'est ça que ça vaut, c'est ça que c'est. Il faut après ça que j'apprenne à communiquer, évidemment, la valeur que je puisse, que non seulement je sois convaincu que mon service de coaching de 5 heures vaut 850, mais que je sois capable de bien le communiquer à mes clients. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Ben écoute, moi, oui, c'est vrai. T'sais, mettons que tu dis, moi, c'est 100 000, là, puis que tu y tiens. Mais c'est sûr qu'au début, OK, tu risques de jouer avec les chiffres, OK? Juste dire, OK, parce que ton 100 000, mettons que tu dis, OK, je vaux 100 000, mais mettons que j'ai décidé que moi, je faisais juste 3 jours semaine puis que je fais juste 30 semaines par année, bien, ta valeur automatiquement jump, là, quasiment double. Est-ce que tu vaux vraiment ça de l'heure? Peut-être. Peut-être que c'est utopique aussi que tu es en train de pelleter des nuages puis de dire, OK, non, ça marche pas en tout. Parce que veux pas, entre ce que tu penses que tu vaux, puisque le marché est prêt à payer, puisque les compétiteurs vont faire, c'est tous des petits points qu'il faut. Tu sais, faut pas dire, mettons, que mon service serait à 850, dire, ah, ben, tu sais, le marché est à 500, je vais me mettre à 500. Non. Mais encore là, ça dépend, c'est... S'il y a un marché à 500, il y en a peut-être un aussi à 850. Peut-être. Ça dépend à qui tu cibles. Oui. Si tu cibles toujours les organismes communautaires puis les OBNL,
Mais le marché va être différent que si tu cibles les corporations comme, je sais pas, Desjardins et compagnie. Ils n'ont pas le même budget pour payer pour de la formation. Absolument. C'est pour ça que d'un coup que tu as fait tes calculs puis que tu arrives à quelque chose que tu dis, pour moi, ça se tient là. T'sais, mes processus sont bons, le revenu que je veux faire est bon, les heures de travail sont raisonnables et tout ça. Est-ce qu'il y a un marché? Là, c'est là que tu vas dire, justement, si mon marché, c'est les OBNL, ben c'est peut-être pas le bon marché pour ce que tu as à offrir. Ou, il y a aussi tout ce que je disais tantôt, le packaging. Mm-hmm. Tu sais, souvent, c'est là qu'on va dire, OK, j'offre-tu des banques d'heures? J'offre-tu un package? Et j'offre-tu peut-être des fois un bonbon supplémentaire? Dire, OK, moi, dans mon coaching 5 heures, ben tu as le résumé du coaching, tu as un petit rapport à la fin. Tu sais, des fois, tu peux ajouter un petit plus qui ne te coûte pas vraiment très cher en temps, parce que de toute façon, tu prends tes notes ou de toute façon, tu te fais toi-même un résumé ou peu importe. Et c'est là que tu offres plus un package ou tu offres plus un forfait XY. OK? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de forfaits qu'on voit. Parce que les gens, quand on vend à l'heure, on a automatiquement, le client va dire, c'est 5 heures pour ça. Non, 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 attends un peu. C'est un processus que je t'offre ou c'est un forfait que je t'offre. Puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça. Et là, c'est justement des arguments de vente. Comment montrer ta différenciation? Être sûr que tu vises le bon client dans le bon marché. Tout ça vient s'imbriquer avec ce fameux calcul-là. Mais ce calcul-là, tu sais, c'est sûr que moi, mettons, avec mes clients, quand je le fais, 99 % du temps, le monde tombe en bas de leur chaise. OK? Parce qu'on arrive à un chiffre puis se dit, hey, je ne peux pas charger ça. OK, ça, c'est clair. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelques personnes dans l'audience, je suis sûr qu'elles se reconnaissent, c'est clair. Fait que tu dis, OK, peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ce montant-là, là, mais est-ce qu'on peut tendre vers ça? Tranquillement, pas vite. Puis d'année en année, ben on augmente vraiment, on tend vers ce montant-là. Parce que des fois, c'est pas... Tu sais, la personne part quasiment d'un revenu de 50, elle pensait qu'elle ferait 75, puis finalement, dans le fond, elle veut faire 100, mais souvent, il arrive et il dit, mais j'arrive pas, je comprends pas, pourtant, tu sais, je vends ça à 75$ de l'heure, je comprends pas, ça devrait... Mais c'est que tu calcules pas ton temps, que tu factures pas. Puis il faut être capable de leur filer, ça. Puis leur filer, là, c'est pas négatif, là, pour être en affaires, tu dois faire toutes ces activités-là. Là. Mais là, je me sens définitivement comme un Amérindien qui voit le bateau de Christophe Colomb arriver. Là, tu viens de me montrer des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Et là, c'est comme un mirage. C'est comme, mon Dieu, est-ce que ça existe vraiment? on va aller voir un peu, on va aller faire un tour un peu du côté des commentaires sur LinkedIn. Oui. Il y a beaucoup de gens qui trouvent le sujet, évidemment, très intéressant. Olivier, Vincent, Nadine, Benoît, Chantal, Marie-France, Cindy, Edith, Dave, Sally, bonjour à tout le monde. Je vais afficher quelques commentaires, il y en a plusieurs et le premier commentaire, Maître Cindy Gabriel est très active en ce moment sur LinkedIn et il y a un de ses commentaires sur lequel je veux faire un peu de chemin parce que je trouve que ce qu'elle dit est intéressant puis je veux un peu challenger cette notion-là. A dit, il faut faire attention de ne pas s'enfler la tête. Tout le monde va dire, je vaux tant de l'heure. Il faut livrer aussi, et oui, cibler son marché. Moi, je pense que ce n'est pas tant un problème que tout le monde dise, je vaux tant de l'heure. Après ça, comme, je pense que la clé, évidemment, est dans la deuxième partie de la phrase. Il faut livrer, mais il faut aussi cibler son marché. Mais s'enfler la tête, c'est pas grave. Je veux vraiment qu'on défasse cette espèce de notion-là que c'est mal de faire de l'argent ou de dire, oui, je vaux plus, par exemple, que mon marché, si effectivement la qualité de ce que tu offres et la valeur de ce que tu offres est supérieure, par exemple, à ton marché, bien, c'est correct. Puis il y a des exemples extrêmement probants de gens qui chargent beaucoup plus cher et qui gagnent très, très bien leur vie. Je pense qu'il faut juste avoir un bon... Faut pas fonctionner avec des œillères très restreintes. Il faut réussir à avoir une bonne vue du paysage du domaine dans lequel on se trouve et de bien connaître son marché, de savoir qu'est-ce que ses clients idéaux sont prêts à payer
pour la valeur, la qualité de service que tu offres. Puis tu sais, on regarde toutes les offres qu'il y a sur le marché présentement de défaire les fausses croyances par rapport à l'argent. C'est très, très présent dans les médias, dans les formations, dans les coachings, parce qu'on a une crainte d'affirmer, puis là, je ne dis pas affirmer comme avec un porte-voix à tout le monde, là. Affirmer à nous-mêmes, s'affirmer à nous-mêmes une valeur, comme si c'était mal, comme si c'était sale, comme si on allait abuser. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est pour ça que ce processus-là de calcul, il est bien de le faire et de le refaire et de pour vraiment comprendre que c'est pas de l'invention, mm-hmm. C'est réfléchi. Fait que quand tu te présentes devant quelqu'un en disant voici, tu sais, mes services, comment je fonctionne, tout ça, ben il y a tout un bagage en arrière, tu sais, il y a un pack-sac là de confiance qui vient avec ça parce que ça sort pas d'un chapeau. C'est pas oh moi je un matin je me lève puis je vaux 100 piastres à l'heure. Mm-hmm. Je sais pas trop pourquoi mais tu sais, c'est ça que je vaux. Il y a une réflexion puis je pense que ça aide à défaire justement des fausses croyances parce que ça parle aussi au cerveau, tu sais, qui lui arrête pas de dire hey mon Dieu tu te prends pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'allure, mm-hmm. Tu devrais pas, tu sais, mais là tu viens nourrir cette petite bête là qui a besoin de comprendre là, tu sais, c'est vraiment de rallier les deux. Ultimement, de toute façon, c'est rarement quand tu as payé un prix absolument exorbitant que tu te fais avoir, c'est quand tu as reçu un service ou un produit qui est en dessous de la valeur, du coût ou de ton attente. Je parlais récemment avec une entrepreneure qui va refaire le site web pour une cliente, puis sa cliente vient de faire un site web, ça lui a coûté 1 500, ce qui n'est pas cher pour un site web, mais le site web, il ne vaut pas grand-chose, il n'est pas très bon, puis là, il faut qu'elle le fasse refaire. Donc, elle a payé trop cher, oui, mais c'est pas comme si elle avait payé le site web le plus cher, puis que là, elle s'est fait avoir parce qu'elle a payé trop cher. Elle a juste payé trop cher par rapport à ce qu'elle a reçu. Et ça, qu'on paye 50 $, qu'on paye 500 ou 50 000, si on reçoit quelque chose qui est en dessous de ce qu'on a payé, c'est là où il y a un problème. Donc, c'est pas tant c'est pour ça vraiment que, pour moi, la mentalité, c'est pas tant de payer trop cher, c'est juste d'être ajusté à la valeur de ce que tu fais. Bon. Puis ça, si tu me permets d'ajouter quelque chose là-dessus, ça pourrait être quelque chose, un beau sujet aussi, la gestion des attentes. T'sais, comment faire un wow ben oui. De toujours, tu sais, je dis souvent, si quelqu'un me demande une soumission, je sais que je vais lui donner, mettons, on est jeudi, je vais lui donner lundi, mais je vais lui dire, je vais te le donner mercredi. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Fait que comme ça, s'il arrive quelque chose, j'ai du jeu, mais si je lui livre lundi, elle s'attend à ça mercredi, elle va faire wow! Wow, qui est efficace, cette personne-là. Tu sais, la gestion des attentes, là, c'est fin, là. C'est pas d'arriver puis promettre n'importe quoi ou promettre des faussetés ou mentir. C'est juste de dire, OK, je connais mon processus, je suis capable de le livrer lundi, mais je vais me donner un petit lousse, je vais le livrer mercredi, puis si j'arrive à faire lundi, mais ça va être un gros wow, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça aussi, ça pourrait être un beau sujet, mais, la gestion des attentes. Des clients. Je vais faire un peu de millage aussi là-dessus, parce que oui, c'est vrai que ça pourrait être un sujet en soi sur un seul épisode, mais pour quand même en faire un petit point dans cet épisode-ci, parce que je pense que c'est assez pertinent et relié. Moi, je travaille dans un domaine qui est relativement créatif, artistique, mais que tu fasses un site web, de la photo, de la vidéo, n'importe quoi que tu livres qui va avoir quelque chose de créatif, l'attente que la personne a de ce que le produit final va avoir l'air, c'est super important de s'assurer d'être le plus près possible de la vision. Souvent, moi, chaque étape, vraiment, je ne laisse pas d'éléments au hasard. Chaque étape, pour moi, c'est important que ce soit clair, que la vidéo finale, regarde, c'est à ça qu'elle va ressembler. Ou que la personne, si elle a une idée très précise de la vidéo qu'elle veut avoir, qu'elle puisse me montrer des exemples pour que je puisse dire, ah, ben ça, je peux le faire, ça demanderait ça et ça. Donc, juste de clarifier toujours les attentes, mm-hmm. C'est hyper important pour s'assurer que sur la ligne finale, on ait livré quelque chose qui ressemble le plus près possible de ce que le client attend, que ce soit en termes de résultats ou justement en termes d'un produit final. Voilà. Ça revient encore à la qualité de la communication, tu sais. Mmh. Entre ce que moi, je comprends, ce que toi, tu comprends, ce que tu me dis, ce que j'entends, tu sais, il y a un gap. Il y a un gap parce qu'on a, on vient pas de la même endroit, on vient pas du même,
on n'a pas été élevé de la même façon, même dans une famille, on comprend pas les mêmes choses de la même façon. Fait que la communication, la règle de toujours contre-vérifier avec ton client, de dire hey, on se comprend bien, hein, si on s'en va vers ça. Ah oh, non, moi j'ai pas compris ça. Ah, ok, attends un peu, tu sais. Fait que ça, plus on arrive tard dans le processus. Dans une mauvaise compréhension, plus c'est difficile de rattraper. Ben oui, absolument, absolument. J'ai une question pour toi avant qu'on arrive justement dans les questions des... Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions des gens, puis en plus, on en a reçu avant que le show commence. Moi, tu vois, dans mon domaine, j'ai un amortissement d'équipement à faire. Okay. Fait que j'ai peut-être pour, je sais pas, 20 000 $ d'équipement. Toi, est-ce que tu... Moi, j'ai toujours eu le réflexe de le calculer dans mon taux horaire. Fait que dans ma réflexion, c'était quand je suis en tournage, j'ai un taux horaire plus élevé que quand je suis en montage. Même si en montage, j'utilise bon quand même de l'équipement, mais est-ce que je devrais charger mon amortissement d'équipement, donc entre guillemets la location de mon équipement à mon client? Est-ce que je devrais mettre ça comme dans une bulle et mettre mon taux horaire dans une autre case? Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais venir dire, moi je veux faire tant, mais affecter ton objectif de... soit ta sous-traitance, ta location, tout ça. Tout dépendant, si tu as, mettons, dans ton cas, puis, tu sais, moi, j'ai pas de... Comment je pourrais dire? Ça dépend du cas par cas. Mais mettons, dans ton exemple, je dirais, est-ce que, mettons, je sais pas, moi, ton drone, est-ce que tu utilises toujours ton drone? Non, donc je l'amortirais sur le forfait drone. Et non pas sur tout. C'est un peu ceux qui ont suivi des cours de comptabilité, quand tu as le coût des marchandises vendues, puis tu as les frais généraux, bien là, il faut voir si c'est un frais général, on va venir affecter l'objectif global, mais si c'est un frais spécifique, donc relatif au service rendu, j'affecterai le service rendu comme tel. OK? Fait que c'est vraiment... puis encore là, tu sais, c'est pas une science exacte, là, tu sais. On s'entend que ce que je prône là, c'est une feuille de route, c'est un guide. Et puis, je veux dire, il y a tellement de petites particularités à chacun qu'à chaque fois, il faut vraiment se poser la question puis dire, OK, ça sert à quoi ça déjà, tu sais? Mettons comme moi, j'ai de la sous-traitance, soit en traduction, j'ai de la sous-traitance en gestion des médias sociaux. Ben ça, moi, faut que je la considère, là. Ben oui, parce que je paye quelqu'un, là. Mm-hmm. Parce qu'en payant quelqu'un, ça me permet de vouloir avoir plus. Mais tu libères ton temps aussi. Mm-hmm. Je libère mon temps. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est une autre méthode. Tu sais, quand on dit « Ah, mais il semble que ça ne se tient pas, je vaux trop cher et tout ça », ben c'est peut-être aussi là « Ah, ben il faut que j'aille chercher une ressource supplémentaire. Ouais. » Encore là, quel coût je paye versus ce que je veux avoir comme objectif. Fait que c'est des vases communicants tout le temps. Très intéressant, puis on pourrait vraiment continuer de jaser là-dessus longtemps, mais je veux arriver aux questions des gens parce que le temps avance quand même. Steve Jutra qui demande, une fois notre valeur fixée, à quelle fréquence doit-on la réviser dans le temps considérant notre expérience grandissante et l'inflation? Très belle question, hein, Steve. Mais moi, je le fais une fois par année. Okay? Okay. Moi, je me fais toujours une micro-révision stratégique de moi-même avec moi-même. Une fois par année, avant que mon année fiscale commence, puis je revois vraiment, est-ce que ma valeur de l'heure a changé, donc est-ce que mes forfaits devraient changer et tout ça, voir si je suis encore bien positionnée. Mm-hmm. Moi, je te dirais que la première fois qu'on le fait, ce processus-là peut durer 2-3 mois avant que, tu l'essayes une fois, tu dis, oh, mon Dieu, OK, pas sûr, je vais revenir. Puis là, moi, dans mes trucs que je vous donne, c'est de vous observer. Quand on veut faire ça, on va arriver, on va dire, oh, ben, c'est à peu près ça de temps. Mais là, après ça, prenez une petite feuille, puis pendant 2-3 semaines, prenez juste en note, oh, j'ai passé tant de temps là-dessus. Puis là, revenez, dire, hey boy, OK, je pensais que mon infolette, ça prenait 2 heures. Ça m'en prend 6. Ouais, on a tendance à sous-évaluer des fois. Oui, énormément. Fait que ça, pour moi, la première fois, c'est un processus qui va prendre quelques semaines, mois, à juste être
quand même confortable avec les chiffres qu'on met là-dedans parce que la qualité du produit final et la qualité des données que tu mets dedans. Donc, on se réajuste une première fois au bout de 2-3 mois, puis ensuite une fois par année. Oui, après ça, au moins annuellement, oui. On va passer à la question de Denis Foucault. Pour établir le prix d'un service, il faut connaître la valeur du marché, dépenses de fonctionnement. Bon, ça, on en a parlé un peu. Existe-t-il un logiciel pour nous aider à fixer nos tarifs pour ne rien oublier et établir le coût de revient et notre rentabilité? Moi, j'en ai pas trouvé, OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Probablement qu'on peut en trouver un petit... Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les produits, OK? Tous ces produits. Probablement que tu pourrais adapter un logiciel pour produits puis changer les noms puis dire voici des services. Moi, je me le suis créé simplement sur Excel. Je l'ai fait beau parce que moi, je l'utilise souvent avec mes clients, mais... Un Excel bien simple, comme je vous dis, à dire je veux faire combien d'heures j'ai disponible, moins les heures facturables. Puis après ça, votre service, si tu me permets, je vais juste repartager écran. Ici. Pour la rentabilité de vos services, bien, ça dépend toujours de votre service. Puis là, moi ici, c'est sûr que tu rencontres un nouveau client. Pour la plupart, c'est comme ça. On rencontre un nouveau client, on discute, on deal, on fait une soumission. Après ça, il faut voir qu'est-ce que tu as, comme si je te prends toi, Mathieu, comme exemple, probablement que si je mettrais, bon, rencontre exploratoire, proposition, signature du contrat, première, puis là, oh, conceptualisation. OK, attends un peu là. Elle, va falloir que je fasse ça. Peut-être ta conceptualisation, toi, c'est 3 heures pour dire, OK, Nathalie, je ferais faire telle chose. Puis là, ah, j'aurais 1 heure de rencontre avec elle pour sortir l'information qu'elle veut promouvoir. Ensuite de ça, j'aurais, OK, il faut que je book, je sais pas moi, peut-être une salle. OK, ça, c'est une demi-heure. Bon, ça dépend vraiment du service. C'est difficile de dire, il y a pas un service. OK, le coaching, c'est quand même assez standard. Formation, ça peut être standard, malgré que formation, tu sais, je veux dire, une formation, tu as peut-être... 8 heures là, d'ajustement de formation. Là, tu sais, les gens qui font, mettons, une journée de conférence puis qui chargent 5 000 $. Okay? Tu dis, oh mon Dieu, 5 000 $ pour 6 heures. Elle coûte cher. Mais c'est parce qu'elle est sur le dos. Il faut qu'elle prépare sa conférence 2 jours avant. Puis elle est sur le dos 3 jours après. Il faut l'avoir monté aussi, cette conférence-là. Il y a de la valeur là-dedans. Il y a du temps de recherche, il y a du temps de l'avoir. Puis il y a aussi la valeur tout simplement de son niveau de connaissance. De connaissance, de personnalité, de comment elle rend son service. Ben oui. Et après ça, toute l'énergie qu'elle a donnée, là. Tu sais, j'ai une cliente, j'ai une cliente en tête, elle est sur le dos 3 jours après. Il faut le calculer comme là-dedans, elle aurait un temps de récupération. Quand elle fait une journée, elle a du temps de récupération. Il y en a qui sont, mettons, je ne sais pas moi, dans la croissance personnelle, rencontrent des gens, c'est hyper émotif. Ils ne peuvent pas faire ça back-à-back. Ils ont du temps entre chaque, il faut le récupérer. Tu tiens un point important. On va retourner un peu aux commentaires et aux questions des gens. Edith Levasseur, Edith, si tu nous écoutes, je veux vraiment te recevoir d'ailleurs sur le show quelque part cet automne, qui dit « Heureuse d'être là pour entendre tous ces conseils. Merci Nathalie Dion. » Dave Cameron qui dit « Sujet très, même trop important. » Ouais. Le trop, il sous-entend beaucoup de choses. Merci Dave. On va aller voir un peu s'il y a d'autres questions. Ah oui, une belle question ici de Audrey Dumuret qui dit « Comment évaluer un tarif quand on débute sur un marché qui n'est pas encore existant ou rare? » Tu commences par savoir ta valeur. Déjà là, si tu calcules ta valeur, tu calcules le coût, donc le prix de revient de ton service, ça va te donner une bonne idée, Audrey. Puis après ça, c'est de savoir justement peut-être à ce moment-là faire une petite étude de marché, un petit sondage. Tu sais, quand on débute comme ça, souvent, quand on construit notre plan d'affaires, on, on,
on évalue notre marché. Hein. Une bonne méthode, ça serait de faire un sondage, de dire est-ce que vous seriez enclin à payer tant pour un service de X, Y, Z? Ça pourrait être bien pour... Puis, c'est sûr que dans ton service, s'il est rare, ben là, tu as peut-être un boni de dire OK, je vais aller chercher ma valeur, mais tu peux peut-être te permettre un boni de rareté parce que c'est un produit qui, mettons, méconnu ou un service inconnu. Mais ça, encore là, faut faire une analyse. Il faut aller voir le marché, ce qui est prêt à faire ou non. Un autre beau commentaire, puis. Encore là, ça va illustrer un peu l'importance de toujours clarifier les attentes, puis peut-être aussi de l'importance de la communication, surtout en amont. Nadine qui dit « Ma cliente a parlé à un moment donné du nombre d'heures pour faire quelque chose et en discutant, je lui ai dit que ça m'a pris plus de 5 heures pour finaliser son logo avec les déclinaisons et elle me répond « Ça n'a pas pris 5 heures pour faire ça. » Encore là, je pense que plus on clarifie ça en amont, qu'on dit à la personne « Ben moi, faire un logo, je vais faire un nombre de déclinaisons. Habituellement, ça me prend entre disons 5 et 10 heures, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je charge tant. Et si jamais j'arrive à, disons, 5 heures, je t'avise. Puis là, je vais te dire à 5 heures, par exemple, ah ben je vais avoir besoin peut-être d'un autre 3 heures. Est-ce que tu es OK que j'aille de l'avant avec un autre 3 heures, par exemple? C'est juste pour toujours, à chaque étape, clarifier puis s'assurer que la personne, il n'y ait pas de surprise en bout de ligne, puis que tu arrives, ah oui, mais ça m'a pris 8 heures, je t'en charge juste 5. Oui, mais si j'avais su que ça t'en prendrait 8, j'aurais peut-être... Bref, pour éviter les conflits puis les malentendus, il faut toujours, toujours clarifier. Mais il faut que ce genre de situation-là arrive pour qu'on puisse apprendre. Exactement. Puis dans ce temps-là, quand je vois quelque chose comme ça, moi, tout de suite, je me pose la question, les 5 pourquoi. Hein, tu sais, dire, OK, pourquoi elle pense ça? Qu'est-ce que je n'ai pas dit qu'elle n'a pas compris? Donc là, j'irai retourner voir ma soumission. Est-ce que c'est clair? Tu sais, je fais de la recherche, je fais ci, je fais ça. Des déclinaisons, ça peut prendre entre ça et ça. Est-ce que j'ai été clair dès le départ? Si oui, là, tu dis, OK, il est où le glitch de communication entre les deux? Pour moi, quand un client me répond des choses comme ça, c'est de l'or. Je me dis, OK, il est où le bug dans mon processus? Qu'est-ce que je peux améliorer pour pas que ça se reproduise? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client déçu. Ben oui. Okay? Et souvent, il est déçu pour des mauvaises raisons. Il n'est même pas déçu pour des vraies raisons. C'est parce qu'il pensait quelque chose et tu pensais quelque chose, puis on n'a pas confirmé. Donc, si tout a été clarifié à chaque étape, pas juste au début, mais à chaque étape, puis des fois, il faut ramener le... Parce que, par exemple, moi, faire une vidéo, c'est mystérieux pour bien des gens. Les gens ne comprennent pas le nombre de temps que ça prend à faire du montage, par exemple. Donc, quand je fais une ronde de révision, 2 rondes, 3 rondes, c'est très nébuleux dans la tête des gens. Il faut que je l'explique pour prendre un exemple qui est très personnel. Dave Cameron qui dit « Constat, en majuscule, je vois souvent des tarifs affichés très élevés. 500 $ de l'heure, en sachant très bien que personne ne paie ce tarif en réalité. Pas certain que ce soit une belle approche de vendre un gros prix puis de proposer un deal, c'est-à-dire valeur de 500 $ et je te fais un deal à 150 $ de l'heure. » Qu'est-ce que tu penses de ça, Nathalie? Là, on tombe dans le marketing puis l'approche de vente. Hein? Ouais. C'est sûr, puis ça, c'est hyper personnel. Des deals comme ça, on voit ça beaucoup aux États-Unis, tu sais, des grosses affaires. Là, puis, tu dis « Oh my God, OK. » Mais eux, ils n'ont pas le même marché que nous, là. Il y en a même que ça leur dérange pas de se brûler, là, parce qu'ils vont en avoir un ou un autre, puis un autre client. Je te dirais que dans nos marchés plus restreints, voir ça comme ça, moi déjà ça, là, ça me turnerait off totalement, puis je dirais, OK, oublie ça. Tu pourrais avoir, je t'offre quelque chose à 300 $, mais ça a une valeur de 350-375. Ça se tient. Mais un truc de 500 $ pour 150, là, moi, je partirais en courant. Ouais, on pense un peu pareil. Un autre commentaire de Dave qui, si c'est OK avec toi, Dave, je vais juste le traduire en français pour ne pas vous infliger de ma prononciation en anglais. Si je fais un travail en 30 minutes, c'est parce que j'ai passé 10 ans à apprendre à le faire en 30 minutes. Donc, tu me dois pour les années et non pas pour les minutes. Effectivement, c'est une belle façon de le dire. C'est une belle façon de reconnaître le montant du départ. OK, pourquoi moi, je veux 50 000 ou 100 000 ou 500 000? Mais c'est parce que j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Ou parce que j'ai de l'expérience, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, c'est ça, le 30 minutes à 100 $ pour quelqu'un, puis le 30 minutes à
600 pièces pour quelqu'un. C'est difficile de le... C'est vraiment dans ton expérience. Puis là, c'est dans ta différenciation. Ouais. C'est dans comment tu te vends. Exactement. Ben, c'est ça, moi, ce que je dirais que la phrase qui devrait suivre ou qui précéderait, ce serait de dire, si tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui peut te le faire en 30 minutes, mais tu vas avoir ça comme résultat. Ben, moi, en 30 minutes, je te donne ça, ça, ça et ça, parce que exactement. Ça vient avec exactement. L'expérience. Donc, faut savoir communiquer la valeur, pas juste dire, hey, j'ai 10 ans d'expérience, donc je vaux plus cher. Et la plupart des gens, cet argument-là, ils vont dire, ben non, regarde, prouve-moi que ton 10 ans d'expérience est qualifiable. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton 10 ans d'expérience se traduit en un service? D'où le besoin de témoignages, d'où le besoin, ouais, tu sais, les témoignages de vos clients quand vous en demandez, j'espère que vous en demandez tout le monde, mais c'est ce que ça vient prouver. Ça vient prouver votre valeur, ça vient prouver que vous faites une différence dans ce que vous faites, tu sais. En tout cas, moi, pro des témoignages, là, parce que c'est vraiment la force d'un humain qui parle à un autre humain, qui dit « Hey, moi, là, ça a changé ma vie » ou « Moi, j'ai adoré travailler avec cette personne-là » ou « Moi, bon, bref. » Et je vous dirais à tous, il y a encore trop peu de témoignages en vidéo. Ah oui! C'est un service que j'offre incidemment. Mais oui, les témoignages écrits, c'est une super belle chose. Des témoignages en vidéo, en plus, on voit la personne livrer son témoignage, livrer l'affection, livrer le sentiment, l'énergie qu'elle a par rapport au service qu'elle a reçu. Ça fait toute une différence. Les gens s'identifient et ça leur donne le goût d'accéder au même résultat. Absolument. Allons voir un peu s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires avant de terminer. Denis qui dit « Nathalie, tu as une excellente méthode et tu t'exprimes à merveille. Ta démarche séquentielle est très logique. » Merci. Merci, Denis. C'est ça. On a beaucoup de commentaires, de compliments. Merci beaucoup pour cette réponse instructive. Je vais approfondir l'étude, dit Audrey. On n'a pas d'autres questions a priori. J'aime bien Dave qui dit témoignage égale amour. Effectivement, mais puis d'autant plus quand c'est livré d'ici avec et non pas de là. Ouais. C'est pour ça que quand je fais faire des témoignages avec les gens, je les accompagne vraiment pour aller chercher les éléments de leur histoire qui vont justement résonner le plus avec le cœur. Voilà. Oups, excuse-moi, je t'ai retiré. Je voulais retirer le commentaire de Dave, puis je t'ai retiré du sujet. Mais écoute, Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné par rapport au calcul du coût de nos services qui serait pertinent d'indiquer? Pas vraiment, mais tu sais, je m'étais pris des notes pour vous rappeler de, un, vous observer, OK? Observez-vous, prenez des notes sur les tâches qui ne sont pas facturables, ça va vous aider dans votre calcul. Tu sais, quand on parle d'objectifs SMART, là, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel, bien, il faut que ça soit atteignable et réaliste. C'est un moyen de venir voir, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ma structure fait du sens avec où je veux aller. Moi, je vous dis, amusez-vous à calculer, amusez-vous à changer les chiffres, amusez-vous à comprendre, à vous approprier vos chiffres parce que vous n'avez pas besoin de les dire à personne, c'est de vous envers vous. Tout ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est des vases communicants. Tu ne peux pas enlever à quelque part, ajouter à quelque part sans que ça ait un impact. Tout est interrelié. Donc, amusez-vous avec ça. Puis après ça, c'est de dire, OK, maintenant, je package mon service. Je l'offre comment? Justement, à qui? Et là, on peut embarquer dans, maintenant, je vais vendre. Moi, mes clients, mettons, avant de dire, OK, on veut Nathalie, je veux vendre, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Hey, attends, on va aller voir si t'es rentable avant. Si t'es pas rentable, on va tourner la planche à dessin parce qu'on peut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si ils sont pas rentables, ça va avoir la langue à terre à la fin de l'année. Tu vas avoir vendu, mais tu vas être brûlé parce que ton truc ne balance pas. Donc, je te dirais que c'est ça. Tu sais, puis l'autre étape, ça va être d'améliorer vos processus. Dans votre service, qu'est-ce que vous êtes capable d'améliorer pour que votre service revienne le plus, encore là, rentable dans vos poches à la fin de l'année?
Merci beaucoup, Nathalie. Je vais terminer avec le commentaire de Nadine qui dit « Quelle belle émission, merci à vous deux, je me sens plus confiante et mon offre de service et de mon tarif. » Nathalie, pour te rejoindre, bien évidemment, il y a LinkedIn où on peut se connecter avec toi si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous n'êtes pas connecté avec Nathalie, ben envoyez-lui une demande de connexion en précisant que vous l'avez vu à partir en affaires. Ou encore, il y a ton site web b2hconseil.com. Si tu pouvais nous expliquer brièvement qu'est-ce que tu offres comme service, Nathalie? J'offre de l'accompagnement vraiment de l'entrepreneur à travailler de manière le plus efficace et le plus rentable possible. Donc, j'ai une approche qu'on appelle Lean Six Sigma. Donc, c'est vraiment l'économie de ressources, temps, argent, énergie. Moi, j'ajoute l'émotion. Donc, c'est vraiment cette approche-là que j'apporte à mes clients. Puis, je les aide à développer, à être en croissance, mais de façon rentable tout le temps. Excellent, merci beaucoup. Donc, B2H conseil au pluriel.com. Pour ma part, si vous voulez avoir des vidéos pour accueillir vos visiteurs sur votre site web, que ce soit des vidéos qui présentent vos produits et services ou encore des témoignages de clients en vidéo, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre évidemment sur LinkedIn ou encore sur mon site web, mathieuchevalier.com. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir accepté ma deuxième invitation. J'ai déjà hâte à notre troisième épisode ensemble. À chaque fois, c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir Ça me fait plaisir. Merci, Mathieu. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci de votre écoute. À la revoyure!